Welcome to the Voice of America. Mesdames, Messieurs, auditeurs tout partout, c'est un plaisir pour la Voix de l'Amérique entrer la CAIO pour présenter au programme radio sous télévision pour aujourd'hui, mercredi 24 mai 2017. Là, dans le programme, ça n'a pas pour nous un grand point cap dominé actualité avec un focus sur Haïti et sur les États-Unis. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélisère. Et moi-même, moi c'est Serge Rodriguez. Mes nouvelles, on va développer après-midi. Le président ici, Jovenel Moïse, arrivé depuis hier dans la ville qui est au capital Équateur dans le premier voyage a fait à l'étranger depuis le monté sous pouvoir. Et puis, Grande-Bretagne mettait pays en état d'alerte maximum dans le cadre terroriste, ces actes terroristes qui fait dans le commencement de semaine dans la ville Manchester, côté 22 personnes perdu la vie et plusieurs douzaines d'autres blessés. Rencontre aujourd'hui mercredi entre le président des États-Unis avec Pape François dans le Vatican. Deux personnalités ont été abordées, il y a un paquet de points qui ont dominé l'actualité dans le monde. C'est pour ça avec l'autre accord que nous allons développer pour vous dans le programme radio sous télévision sous la Voix de l'Amérique qui avait mettre depuis Washington DC. Fois encore, bonsoir tout le monde. Président Jovenel Moïse déposé un jet fleur dans le pays, dans pied et statue héros ici, dans Quito, capitale Équateur. D'après une note qui sortit dans le palais national Port-au-Prince, président Moïse, accompagné avec madame Li Martine Moïse, est arrivé dans l'aéroport international Mariscal Sucrea, en Équateur, hier mardi 23 mai 2017, là, côté de prendre direction capitale la Quito, puis précisément sur place Haïtia pour déposer un jet fleur dans le pied, monument héros indépendance haïtien. Fondi Rodriguez, cérémonie déposée fleur ça a été déroulée entre autres en présence magistrat Kitoa, représentant communauté haïtienne en Équateur, devant personnel ambassade d'Haïti dans Quito. Chef d'État haïtien est allé dans le local ambassade là pour un cocktail bienvenue avant de mettre tête li pour l'hôtel Hilton Colon pour une rencontre bilatérale avec le premier vice-président République Cuba. Et dans la photo, nous capables là, président Chambre député, en parlant de Charles Elsanti, avec président Chambre Sénat, et Yuri La Tortue. En Haïti, il y a un peu de réaction au département qui continue à tomber sous son premier jour administration président Jovenel Moïse. Là. Par exemple, deux parlementaires de l'opposition ont fait une lecture sombre sous son premier jour, ça y est, que M. Moïse saute passer à la tête pays. À correspondant à nos offres des sources, a venu avec plus de détails depuis la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Un petit problème technique empêche que nous joignons et Orpha Dessous qui t'apprête porter pour nous déclaration de parlementaire qui, sans premier jour, président Jovenel Moïse à la tête PIA comme un tableau qui est sombre. Président Jovenel Moïse, tant que nous sommes dit là, trouvé dans le pays Équateur, il est déjà dans la ville Quito, il a déjà fait plusieurs rencontres et tant que notre l'a dit qui sortit dans le palais national là, rencontre entre président avec vice-président et République cubaine. Quand on va rejoindre Orpha Dessous qui va présenter nous et déclaration de parlementaire Sayo. Déception sur plan politique, social et économique, c'est comme ça sénateur Antonio Cherami à Cassinenel qualifié sans premier jour président Jovenel Moïse sous pouvoir. Sénateur Cassinenel critiquait une série de décisions chef l'État à prendre qui pour lui, c'est un mauvais signal. Dans le domaine corruption, le président prend plusieurs mesures. Il y a une plus grosse mesure que le président prend, c'est la nomination de Wilson Lalo comme chef cabinet et qui vient démêler avec la justice. C'est une plus grosse mesure contre la corruption que le président Jovenel prend. Deuxième mesure qu'il prend, c'est la persécution qui caractérise le politique par rapport avec l'ancien directeur BMPA de la Patrick Noamé, pendant qu'il y a 3 milliards de dollars qui passaient sous gouvernement qui se passe, il n'y a pas rien qui fait sous lui. Troisième l'autre mesure que le président Jovenel prend dans le cadre de bataille contre la corruption, c'est révocation de M. Sonel Jean-François dans la tête ICREF parce qu'il a un problème avec elle dans la question de blanchiment d'argent. Pour sénateur Antonio Cherami, ajustement gouvernement haïtien prévoit faire graduellement sous gaz là, capable de blaguer la population dans plus misère.
Nèg yo prend décision pour yoté venir avec 116 goud. Yo vini à 116 goud, même côté a un petit groupe syndicat que yo formé. Deux membres dans syndicat ça au calchita avec pouvoir, nous connaissons deux membres PHTK, ça veut dire syndicat PHTK avec PHTK encore, yo signe un accord. Yo fait population comprendre que c'est pour yo y a boumé. Nan accord ça qui ça yo dit? Yo dit yo descend ni à 35 goud. C'est ça? Et c'est première fois dans l'histoire pays a gaz la font un seul coup de vous plus monter comme ça elle tomber à 35 goud. Or monsieur c'est 116 goud yo voulait arriver. Chaque nouvel arrivage, il a metté 6 goud. Après 5 goud, 4 goud, ça veut dire d'ici octobre, nèg yo gantan metté 116 goud là, l'a déjà clair sous nous en dans pays a. Est-ce que son bon signal lié pour l'avenir? Moi pense c'est pas un bon signal. Sénateur Sayo qui sorti dans opposition estimé chimé président apprend pas bon pour pays a et pour ça yo mandé li pour définir une autre stratégie pour réussir cette année l'a pour passer sous pouvoir. Orpha des sources, la voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci beaucoup Orpha des sources, je suis toujours à suivre le programme radio sur télévision service créole là pour jeudi vendredi 24 mai 2017 là ministère de l'agriculture pays d'Haïti a fait face à qu'on rate des semences comme ça il pas gain assez dans semences pour distribuer par planteurs qui n'ont besoin pour yo faire culture à avancer. Directeur service semences national la Pierre Marie Pasuet et qui était participé dans un atelier travail ministère de l'agriculture avec FAO dit il était réagi sur politique semences pays et du gouvernement toujours continuer à chercher. Donc c'est autant de points Serge Rodriguez qui a expliqué qui j'en la vie chère dans le pays d'Haïti a bail problème parce que notamment nous connaissons que il y a prix gasoline qui montait et gan pile et manifestation pile réaction négative qui tombait par rapport à prix gaz là et gan pile monde qui croit que le fait que monter prix gaz là il ta doit monter tout et salaire ouvrier yo et en pile monde pour capable onti gens balancer. Donc c'est une situation qui est très compliquée dans le pays d'Haïti et nous-mêmes n'a pas suivi le pour. C'est au moment qu'on y a pour nous prendre en pause avant d'aller dans l'actualité internationale. Il y a un moment arrivé pour traverser l'actualité internationale. Là, un porte-parole force anti-terroriste dans le pays Libye fait qu'on est autorité libyenne qui pose arrestation. Ils ont frère ensemble avec papa, soi-disant bombiste kamikaze, ville Manchester en Grande-Bretagne, qui est le Salman Abedi, qui a 22 ans sous tête. Porte-parole Ahmed Ben Salem précisé. Si frère attaquant suicide présumé à Hashim, nan men autorité Yokounia, il a arrêté dans la capitale libyenne à Tripoli hier mardi. Monsieur Ben Salem, dit agence nouvelle Reuters, de frère autorité en contact, ça a pas gagné trop longtemps et Hashim, te connaît, grand frère, a planifié une attaque dans son sens sur le territoire britannique, là. Porte-parole anti-terroriste libyen continue pour le dire. Nous avons une preuve qui montre lui-même avec défunt frère, c'est même groupe État islamique, là, parce que nous t'avons suivi tous les deux depuis un mois et demi. Pendant ce temps, Serge Rodriguez et la Grande-Bretagne changent à l'aide terroriste dans un niveau sévère pour le placer dans un niveau critique pour la première fois depuis une dizaine d'années après attaque à bombe sur un concert dans la ville Manchester lundi passé à côté 22 monde mourir et plusieurs douzaines d'autres blessés. Premier ministre britannique là, Theresa May dit décision ça, c'est une décision responsable dans cette analyse conjointe pour l'intérêt dans le pays Angleterre. Président américain Donald Trump fait qu'on est plus déterminé que jamais pour poursuivre la paix dans le monde après Chita causé les autres faits sur un paquet de sujets avec Pape François dans le Vatican jeudi mercredi. Maison Blanche a fait qu'on est deux personnalités ont été discutées sur gens communautés religieuses capables de combattre souffrance monde dans lieu tant que Syrie, Libye avec territoire qui est en bas contrôle, groupe État islamique. Là. D'après une déclaration qui sortit dans la Maison Blanche, président Trump a affirmé que les États-Unis Action Serge a partagé quelques principes fondamentaux et que tous les deux ont cherché à engager dans un niveau mondial pour encourager le respect pour le droit de l'homme, combattre la souffrance et protéger la liberté de religion. L'autre point dans l'actualité internationale, là, Abkembe nous toujours sur le dossier voyage président américain Donald Trump qui dit que il considérait le terrorisme comme le plus gros problème
dans le monde journée jodia et que nous faisons connait progrès dans lutte latéria yon déclaration locataire Maison Blanche la fait avant rencontre lia avec leader l'OTAN semaine ça pendant yon chita parlé monsieur Trump fait avec premier ministre belge là Charles Michel li dit les États-Unis ak Alliance Atlantique Noire pral travail sous plusieurs dossiers. Cependant, le leader américain cité attaque avec bombe sous ville Manchester, en particulier Zach Theoris en général, comme deux sujets qui figuraient dans le premier sous agenda discussion. Président Donald Trump dit et n'a cité les moun wè sacrivé, ça gagne quelques jours seulement, ou rendre tête au compte qui j'en est important pour éliminer Theoris et nous pral remporter la victoire. Dans la bataille, ça, fin de citation. Quel groupe parlementaire américain lance un nouveau ordre pour Michael Flynn, a un effort pour forcer le remettre quelques documents et ben, des positions sur un petit bout de temps côté de servi comme premier conseiller de sécurité nationale. Président Trump dans la Maison-Blanche, M. Flynn était resté l'autre commission d'enseignement dans le Sénat dans le commencement de semaine. Côté, il était refusé de remettre information sur 24 jours, il était passé dans pas ça. M. Trump était révoqué pour être été par le vice-président Mike Pence a menti sous contact lié avec ambassadeur la Russie aux États-Unis pendant quelques semaines avant M. Trump de prêter serment. Mais commission renseignement dans le Sénat avec Tokali dans la Chambre des représentants fait qu'on est et a placé un nouveau lode pour M. Flynn paraître devant un parlementaire sénateur État Connecticut, la Chris Murphy du chaîne télévision CNN. Il pensait M. Flynn par obligé raconter histoire. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique qu'on y a. Nous prenons le partage avec lycée télévision, station télévision en Haïti et dans le pays de la France, qui pour transmettre le programme La Voix de l'Amérique, radio sous télévision. D'abord, nous avons commencé avec Radio Télé-Guinée dans le canal 18 et canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV ou Radio Télé-Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé-Vénus, canal 5 dans la ville Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort Liberté, Radio Télé-Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique canal 4 dans Saint-Marc et puis Radio Télé 7 Stars canal 7 dans Villehèche, région Plateau Central. Et nous avons la chaîne télévision toujours Jacques Benizet pour nous bail. Eh bien, n'a pas dit que Radio Télé 7 Stars et canal 7 dans Villehèche, Radio Télé Yaguana canal 7 dans Léogane, Radio Télé Dynamique canal 10 dans la ville Okaï, dans le département Sud-Pays. Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, tout près de ville Okaï. Radio Télé Diffusion Jacques Mélène, RTDJ, canal 4 dans Jacques Mel. Télé Orbite, canal 5 dans Jérémy, et dans le département Grandance. Radio Télé Top, canal 6 dans Miragouane, région NIP. Radio Télévision Plus, canal 7 dans Tigouave. Radio Télé Rossignol, canal 48. Et Cap Digital 104 dans Cerca Cavajal, plateau central. Et puis Télé H-Live dans ville Paris, pays la France. Canal 436 sous Freebox, canal 369 sous B-Box et puis canal 709 sous câble numérique. Et merci beaucoup Jacqueline Kounian pour tenir une actualité, une actualité qui est concentrée sur le programme protection temporaire ici aux États-Unis, ça veut dire TPS en anglais, bien réaction continue à tomber après décision du département de sécurité territoriale États-Unis en point pour prolonger statut protection temporaire pour Haïtiens. Haïtiens qui vivent sans papier aux États-Unis, vice-consul hollandais, Dr. Serge Amos Bonhomme, de la Voix de l'Amérique, les pral intensifier des machines au côté parlementaire américain avec l'autre organisation qui est capable de causes haïtiens. Docteur Amos Bonhomme a répondu à une question à Jean-Pierre Leroy dans un segment spécial là après-midi. Moi, je travaille avec des coalitions qui font partie de communautés noyau. Par exemple, une communauté, tant qu'une communauté espagnole là qui est très grande et en même temps tout que le gouvernement américain est capable de tendre facile à travers le sénateur Bill Nelson, à travers le sénateur Marco Rubio. Moi, je travaille avec les gens qui représentent les gens de l'AIO pour présenter cas haïtien. Et moi, j'ai été en contact direct avec le maire principal de la ville d'Orlando, M. Bordy d'ailleurs, qui a travaillé pour aider comprendre la situation haïtienne qui est dans la zone palia, qui travaille dans toute gros usine, gros hôtel, dans toute factory, dans la zone non. Et haïtien, tout, ils ont organisé des manifestations, mais de temps en temps, nous disons qu'il faut que t'as plutôt cherché des lobbyistes, moun qui connecté avec Homeland Security, moun qui connecté avec service immigration, des avocats de point qui capable aider yo, capable joindre ça y a cherché. Pendant que en pile nan yo
gen opportunité pour ta faire ti monter descendre pour t'arranger gens documents que yo gagnen ou bien moun ki gen TPS que yo renouvelé pour 6 mois seulement yo ti gens troublé en pile nan yo ta doué consulter des hommes de loi moun ki gagnen information de première main moun ki connaît za fait immigration bien mais nous autres en tant que moun ki a vive dans zone nan depuis longtemps toujours conseiller haïtien yo même ça que en pile l'autre grand leader ta fait c'est pas à commettre aucun crime c'est pas déranger certaines lois qui existent dans pays a contre immigrants pour yo même pour yo pas tomber dans des agréments pour yo pas tomber dans tête chargée. Gagner certaines réalisations que faites en termes de reconnaissance et de drapeau haïtien et citer pour nous quelques villes qui déjà qui gagne un drapeau haïtien quelques mairies et qui gagne un drapeau haïtien qui a flotté. Eh bien drapeau haïtien li a flotté dans City of Orlando. Pas oublier que Orlando c'est capitale ou bien cité touristique de toute Amérique du Nord là. Ville Orlando qui reçoit des milliers de touristes chaque jour. Donc, magistrat en ville ça, Bodi d'ailleurs, avec toute commissionnaire, ont été accepté lundi, qui était 15 mois mai, accepté, mettre drapeau dans mi-temps, si tu vois là, drapeau là, les chutes parmi toutes les autres drapeaux, différentes communautés qui habitaient dans mi-temps, Central Florida. Et après quoi, moi-même, j'ai allé dans la ville Port-Saint-Lucie, dans une ville qui est dans le sud, dans Orlando, dans le nord, Miami, côté que nous avons gagné un privilège avec magistrat Grégory Assevec pour nous monter drapeau avec une coalition qui a développé services culturels, services communautaires et qui a fait promotion pour le tourisme et l'avancement d'Haïti. Donc, nous avons deux villes et actuellement, m'a poussé beaucoup plus devant. Après, il y a un mouvement. C'est un mouvement que m'a fait Jean-Pierre Leroy aller à travers presque toutes les villes dans Central Florida pour l'obéis, pour montrer intérêt à tout chef city, à tout magistrat, qui important ce qui gagne. Si vous avez quitté côté haïtien à vivre dans la ville, vous avez un représentant de la POA en dans City Hall pour flotter et que les étrangers vont venir, vous va voir le drapeau haïtien, les représenter l'image de la patrie haïtienne ici à travers les États-Unis. Voilà, c'était Dr. Serge Amos Bonhomme, qui est vice-consul dans Orlando. Il était dans le micro, collaborateur non Jean-Pierre Leroy. Et il est après agi sous question TPS. Là, nous connaissons que c'est une grosse décision qui est tombée concernant Haïti. Prolongement et statut temporaire TPS pour Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis. Et puis, dans l'autre rubrique, dans santé, yon pays, richesse, yon pays, Jodia. Jean-Robert Philippe a parlé de demande Organisation mondiale de la santé fait pays membre pour chercher qu'on ait cause la moitié monde avant et après naissance. Organisation mondiale de la santé publie une nouvelle ligne directrice qui visait à empêcher tout le monde de mourir avant et après naissance. L'Agence des Nations Unies dit documenter cause la mort, c'est une parmi les étapes importantes pour empêcher la mort de tragédie ça arriver. Chaque année, il y a presque 2 600 000 personnes qui mourent avant la fête. 2 700 000 autres mourent pendant 28 premiers jours après la fin de fête. Plusieurs victimes ça a vivre dans l'Asie du Sud avec la région sub-Sahara africaine, d'après l'OMS. Pendant que il y a un progrès qui fait pour diminuer la quantité de mamans qui mourent pendant qu'elles sont petites, l'agence l'en fait remarquer qu'il y a plus de 300 000 filles qui mourent chaque année pendant la grossesse ou bien pendant qu'elles font un petit monde. Directeur Centre Reproductif avec Recherche OMS, là, Yann Askew, dit « Connaissance, c'est clé pour empêcher la mort d'arriver ». Le directeur a dit « Responsable de la santé sous-estime la quantité de la mort parmi les bébés à cause d'un pile pays par connaît exactement la quantité de bébés qui mourent ou bien raison ». M. Askew dit « Presque tout le monde qui mourit avant naissance et moitié d'un nouveau-né qui mourit pas documenté, ça veut dire pas aucun certificat d'essai qui permet de nous retracer ça. »
So these numbers are estimates. And donc, c'est le chiffre qui est estimé, mais capable pas représenter la réalité. Deuxième problème, non, on a confronté à ces dossiers sous naissance ou bien la mort de bébé qui pas existé. Ça veut dire qu'il est difficile pour nous connaître raison exacte de la mort, ce qui est passé et qui était la cause de la mort, ou bien base. Chercheurs ont cherché à faire lumière sur la cause. Yo. Résultat a montré que la mort de Simon est capable de vivre à cause de complications pendant l'accouchement. Quelqu'un cas capable de pouvoir avec une infection bon côté maman, surtout si fille est diabétique, ou bien fait tension, ou bien tout, il est capable un problème qui est pouvoir avec croissance fœtus à lui-même. Mais à ce que fait remarquer, il est difficile pour le pays de connaître façon pour empêcher l'ambassade d'arriver si il n'a pas documenté la cause. Yo. Responsable a déclaré par la Voix de l'Amérique. Pratiques traditionnelles ou bien croyances souvent entravées processus pour collecter informations importantes sur le moment bébé. In many countries, there may be greater stigma. Dans plusieurs pays, le problème est capable d'exister concernant la mort nouveau-né ou bien un petit monde qui mourit avant de prendre naissance. Dans le cas de ça, les parents qui ont parlé, rapportent cas pour raisons culturelles. Donc, il y a une raison qui fait nous croire que la marche à suivre là est nécessaire. À ce que dit, plusieurs pays mettent sous pied programme pour réviser cause de la mort par une maman avec Timounio, ça qui aide à améliorer la qualité de soins santé, prendre action correcte pour finalement capable empêcher la mort tragique ça y arriver. C'était Santé au pays, Richesse au pays, un segment où nous parler de maladies qui a fracassé le monde, malgré le progrès qui fait dans le domaine scientifique. Là. Moi, c'est Jean-Aubert Philippe. Merci beaucoup Jean-Robert Philippe. Moment arrivé Jacqueline Belizère pour nous passer dans la partie léger programme. Nous continuons à attendre ce qui a passé dans la vie, monde qui célèbre en pilote en couleur ou même par exemple, vous comprenez qui ça a fait, qui continue à manger. Oh, quand je dis en français, moi-même. Quand tu as mangé, à qui mon a sorti la trier. Nous voyons rejoindre Marie-Louis Pierre pour nouvelle souveraine de Dieu. Eh oui, mesdames, messieurs, temps pas nous arrivé. Chanteuse Ariana Grande retournait aux États-Unis après attaque qui était faite dans la ville de Manchester en Angleterre après concert. Ariana retournait dans l'État Floride avec maman et Joanne Grande. Selon E-News, rappeur Mac Miller, tes amis veulent être là, t'es à l'accueil dans l'aéroport. Finalement, la justice tranchée sous question pour qu'on ait qui moun qui pourrait l'héritier fortune vedette prince qui était mouru dans date 21 avril 2016, l'été gain 57 ans. Juge l'a déclaré, c'est ce ak frère vedette là qui pourrait le partager l'argent ak bien défunt. Vedette là te gain 6 frères ak sœur et moun sa yo a obligé tant yo l'année avant pour yo chaque joine portion payo dans héritage là. Dans ça, c'est pour bailler n'importe l'autre monde qui prétend que c'est petit ou bien famille prince présenté tête yo. Dans la nouvelle souveraineté toujours, mesdames, messieurs, mardi soir, c'était célébration 70 ans d'existence Festival de Cannes. Yon volume Matisse Hollywood te fait déplacement pour occasion à Diane Kruger, Salma Hayek, Catherine Deneuve, Adèle Exarchopoulos et La Trier. Vedette yo fait une série de belles photos sous tapis rouge Cannes. Festival de Cannes, c'est une manifestation internationale cinéma extraordinaire et qui très prestigieux. Mes amis, acteur Leonardo DiCaprio semblait célibataire une autre fois encore. Nouvelle rapportée, semblait relation vedette là avec Nina Agdal rivé dans une phase. D'après magazine People, star Titanic là avec mannequin décidé pour séparer après une relation qui était durée seulement une année. Gen moun qui fait commentaire pour dire yo pensé Leonardo te joine mesure pied, mais hélas, c'est pas de ça. Malgré messieurs dames séparés, nouvelle rapportée, y aurait été bons amis. Magazine américaine Maxim classé Hailey Baldwin qui c'est nièce actrice Kim Basinger comme femme qui plus sexy au monde. Hailey, c'est petite fille Stephen Baldwin, li gen 20 ans qu'on est là et c'est une parmi stars, yo suivent Piplis sur réseaux sociaux yo. Ces nouvelles ça nous t'aiguen pour aujourd'hui à sous la vie vedette yo. Moi c'est Marie-Luce Pierre. Et bien, Jacques, on est arrivé, vous nous allez? Oui, il faut dire que dans la technique, on a Dan Crafton, Rob McLean, Nicole Balthazar, Arthur Jean-Pierre et dans Mikoa, Serge Rodriguez. Et moi-même, Jacqueline Belizère, qui a souhaité nous passer une bonne fin de soirée. Et puis, semblé Natacha Vainqueur. Bonsoir.